Des dizaines d'ambulances ont été dépêchées à Istanbul autour du club Lorena où s'est déroulée l'attaque. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy sur la rive européenne. Selon de nombreux témoins, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, il y aurait eu plusieurs assaillants. Ils ont tiré sur les gens sans aucune pitié, ils ont tiré sur tout le monde. 3 à 4 personnes ont tiré avec des armes à feu. Ils les ont visés à la tête. Les témoins rapportent des scènes de panique où des clubbeurs ont piétiné des hommes et des femmes à terre. Nous nous sommes couchés par terre. Mon mari était au-dessus de moi. Ils ont tiré avec leurs pistolets. 2 ou 3 personnes ont tiré. Puis il y a eu comme un brouillard à cause de la fumée. Et je me suis évanoui. Il y avait des gens sur moi. Je les ai poussés. À gauche, à droite, tout le monde criait. Et cette odeur de poudre. La nuit d'effroi pour les proches des victimes s'est parfois prolongée à la morgue pour identifier les corps de leurs enfants, parents ou amis. 17 000 policiers avaient été déployés dans Istanbul afin d'encadrer les festivités du nouvel an.